Que toi, Seigneur, nous accorde dans la vie, que ma bouche chante ta louange. Thank you.
Thank you.
exalté pour saint nom. Nous voulons réellement te glorifier, notre Père, parce qu'il n'y a point de Dieu sans toi, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il y a encore un nom qui nous a été donné, par lequel nous pouvons être sauvés. Seul le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous avons tout abandonné, nous avons tout laissé, Seigneur, parce que nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta suprématie. Nous reconnaissons ta autorité, nous reconnaissons ta bonté, Seigneur. Ta bonté, c'est une nouvelle saison chaque matin. Oh, elle est pour toi et pour celle, Seigneur. Merci pour le privilège que nous avons d'avoir les yeux comme toi. Seigneur, c'est toi qui nous as aimés. Tu n'as pas regardé à mon péché, tu n'as pas regardé à mon mouvement, tu n'as pas regardé à mon sécurité, mais tu as regardé simplement à l'amour que tu as donné pour nous, Seigneur. Tu n'as pas regardé dans les yeux de Dieu, mais tu as pris à mon âme, Seigneur. Oh, quelle humilité nous avons, quelle leçon que nous avons pris dans ce monde, quelle leçon que nous avons pris. Nous devons toujours considérer notre frère, notre prochain, pour nous mettre en question de moi-même, Seigneur. Oh, c'est ça le sentiment qui est bien entré sur nous. Tu veux nous enseigner, sans quoi nous supplier, à regarder mon frère, à regarder ma soeur, ton étoile dans ce moment. Seigneur, je te loue, parce que tu as fait de moi, tu as fait de mon frère, tu as fait de ma soeur, une créature si merveilleuse, en Jésus-Christ, notre Seigneur, vous qui êtes des hommes et des femmes, réjetez dans ce monde, nous ne disons plus, nous ne devons pas, les hommes ne prêtaient même pas attention à nous, Seigneur, nous n'étions même pas considérés, Seigneur, mais en Christ Jésus, tu as nous a considérés, Seigneur. Merci pour le privilège que nous avons avec toi à la maison. Je suis là avec toi, entendez tout, très bien à la maison de ma mère. C'est dans cette maison de connexion. Où je viens, Seigneur, pour être mon Seigneur, pour être corrigé, pour être enseigné, pour être éclairé, pour être libéré, pour être affranchi. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Je relève ton Seigneur, notre pasteur en élève. Seigneur, si tu veux, ne le prenez pas main. Seigneur, merci, parce que tu as affranchi. Merci parce que tu as désolé. Merci parce que tu le soutiens. Seigneur, tu sois simplement un instrument de la taille éternelle. Viens pour vous parler. Oh notre Dieu, tu connais nos besoins, tu connais nos soucis, tu connais nos attentes, tu connais nos questions, tu connais nos vies, Seigneur. Viens, parle, tes serviteurs t'écoutent. À toi seul sur la croix, la puissance, l'autorité à jamais. Merci pour l'adoration, merci pour la louange. Oh, voici le moment où tu vas encore nous asseoir. Vous t'écoutez le parmi. Seigneur, viens et parle. Seigneur, réveille les serviteurs de cœur. Seigneur, touche le cœur de nos vies. Seigneur, que nos vies soient changées. Oh, que la parole puisse vraiment être cette bonne semence qui soit scellée dans le cœur, Seigneur mon Dieu. Et que c'est la mort que tu construis notre cœur. Que les noms, si tu me fais, qui sont en connexion ce matin, qui soient aussi bénis, Seigneur. Que la bénédiction leur soit aussi accordée. Que le nom bienvenu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le lumière et la gloire de mon Dieu. Que réellement l'adoration te soit due. Que réellement la louange, Seigneur mon Dieu, siège réellement au cœur de ceux qui t'appartiennent. Merci pour ce moment béni. Oh, mieux vaut un jour dans tes parties que mille ailleurs, notre Dieu. Nous nous réjouissons de ta présence parce que tu nous fais réellement du bien. Sois béni, sois glorifié à jamais, Père, au nom de Jésus-Christ. Donne-nous l'attendement, Seigneur. Donne-nous la concentration. Donne-nous l'écoute, mon Sauveur. Que nous puissions réellement recevoir ce que toi, tu as réellement préparé pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Levons-nous, Seigneur. Nous allons lire dans le livre du Psaume, au chapitre 133. Psaume, chapitre 133. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 33. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. Dans une autre version, il est écrit, voici, oh, qu'il est bon et agréable pour deux frères de demeurer unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là
que l'Éternel envoie des bénédictions, la vie ou l'éternité. Amen. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui me lève de fille, peu m'importe s'il n'est pas surgi. Dieu bénit sur cette terre, nous aider, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant,
Parce que nous te voulons, Seigneur, nous voulons que tu viennes encore, Père. Oh Dieu, tout puissant, nous aider encore ce matin. Nous relever, Père. Nous redresser, Seigneur. Parce que tu es celui qui redresse, celui qui relève, celui qui relève, celui qui tombe, Seigneur. Oh Dieu, souviens-toi de nous, Père. Et accorde-nous ta grâce. Nous te remercions pour ce moment, Seigneur. Parce que tu es merveilleux, Père. Tu as fait de nous un peuple qui t'appartient, Seigneur. Nous t'étions abandonnés dans ce monde déclaré, Père, mais tu nous as montré le chemin. Aide-nous à demeurer sur ce chemin, à suivre ce chemin, Seigneur. Merci pour tout, Père. Mon âme, tu es réellement reconnaissant, Seigneur, pour le pardon de mes péchés, pour ton amour et ta bonté, Seigneur, pour ta fidélité, notre Dieu. C'est toi qui nous relèves, c'est toi qui nous soutiens, Père, c'est toi qui nous protèges, Seigneur, mais c'est toi qui nourris nos âmes, Seigneur. C'est pourquoi ce matin nous sommes devant toi. Toi qui connais nos cœurs, toi qui sondes nos cœurs, toi qui vois toutes choses, Seigneur, nous sommes devant toi, Père. Bénis ton serviteur, je sois avec vous, Seigneur. Amen. Sois loué, Seigneur, pour ta bonté, sois loué. Merci encore pour ce instant. C'est la Seigneur Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Au pourrait vous asseoir. Remercions notre Seigneur et notre Dieu pour un jour aussi qui nous a donné ces jours dans lesquels nous nous trouvons ici, auxquels nous avons pu avoir la grâce de voir le soleil se lever, de se retrouver aussi dans sa maison pour pouvoir chanter le chant de Sion pour sa gloire. Il est souverain, il est notre Dieu, et il est vraiment notre bonheur. Amen. C'est aussi la joie de notre vie sur cette terre. Amen. Parce que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Amen. Nous le prions pour qu'il puisse consoler notre sœur Brigitte Ndou, qui a perdu effectivement son grand frère. Que le Seigneur lui accorde réellement la grâce. Et c'est aussi pour toute la famille ici entière, pour laquelle effectivement nous voulons prier parce qu'ils ont besoin aussi que nous prions pour eux. Nous voulons aussi, à cette occasion, transmettre de sincères condoléances aussi à notre bien-aimé sœur et à toute sa famille. Et aussi également aussi prier pour que le Seigneur puisse le consoler, parce qu'il est celui qui console. Perdre quelqu'un n'a jamais été une chose facile. Amen. Et nous voulons que le Seigneur accorde sa consolation à notre sœur et à sa famille. Précieux Sauveur, c'est vrai, c'est toi qui nous as dit par ta parole que vaut mieux être dans une maison de paix que dans une maison de joie. Nous voulons te prier pour notre sœur Brigitte Ndou, servante de Sauveur,
perdu son grand frère et toute la famille aussi, Père, qui est endeuillé, qui est attristé, Seigneur, d'avoir perdu un homme. Seigneur, cet homme a pu avoir aussi une vie qu'il a pu avoir sur la terre, aussi des enfants qu'il a pu aussi. Oh, mais Père, tu as encore dit, Père, ce qu'il fallait faire pour sa vie, Seigneur. Il a laissé des traces de souvent, ce n'est pas facile quand on perd quelqu'un. Mais le consolateur, c'est toi, mon Dieu, Seigneur. Tu es celui qui peut apporter cette consolation à notre soeur, ainsi qu'à sa famille, Père. Notre femme, qu'elle puisse aussi être consolée par toi, Père. Tu as accordé cette grâce, mon Dieu, mon Père. Nous te remercions parce que tu es le Dieu qui console. Et tu es aussi qu'un tas de prières. Sois béni pour cela. Car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes sur le chemin, sur ce chemin, sur cette terre que nous nous trouvons. Nous pouvons réaliser aussi que le Seigneur, merci mon précieux frère, merci beaucoup mon frère, que le Seigneur, notre Dieu, nous a permis de pouvoir avoir la grâce, de pouvoir être un peuple qui a trouvé la grâce à ses yeux pour pouvoir aussi voir choses comme elles doivent être vues. Nous le remercions de tout notre cœur parce que il est toujours celui qui a eu à pouvoir parler et qui demeure aussi fidèle aussi à ce qu'il a eu à pouvoir annoncer. Si Dieu s'est trompé, nous serions nous aujourd'hui. Parce que si nous avions un Dieu qui n'avait que des paroles de peut-être ou de probablement que je le ferai, alors nous ne serions pas non plus dans la certitude, effectivement, pour notre salut et pour tous ceux qui nous pouvons arriver à pouvoir comme désir aussi dans notre cœur. Nous avons la grâce de pouvoir réaliser que nous avons un Dieu qui ne peut pas faillir. Amen. C'est pas parce que nous pouvons le dire pour que les gens puissent prendre le courage, mais c'est parce que nous l'avons expérimenté. Amen. Et que depuis des générations, depuis que le ciel et la terre existent, il a prouvé qu'il était le vrai Dieu. Amen. Il a prouvé qu'il était le seul Dieu qui était capable de pouvoir faire ce qu'aucun autre Dieu ne pouvait faire. Amen. Quand nous regardons effectivement dans les scènes d'Écriture par rapport à tous ceux qui ont eu à pouvoir avoir confiance en lui, aucun d'eux n'a jamais été confus et confondu. Amen. Tous ces hommes qui ont su s'appuyer sur lui, malgré la difficulté dans laquelle ils pouvaient se trouver, ont eu à pouvoir être justifiés. Même l'histoire a rendu témoignage que ces hommes-là avait raison. Amen. Si nous prenons un homme comme Daniel, alléluia. Alors que l'édit du roi était que tout homme qui prierait un autre Dieu que ses dieux, effectivement, qui était le roi, il serait jeté dans la fosse au lion. Et certainement, la chose était comme cela. Et voilà que quand cet homme ici, Daniel, a entendu cela, et il n'a pas fait cela pour que les gens voient qu'il croyait en ses dieux, mais de tout le temps qu'il était là-bas à Babylone, il priait ainsi son Dieu. Il ouvrait la fenêtre, effectivement, se tournait vers Jérusalem, où il priait, effectivement, trois fois. Et voilà que son temps, l'heure était arrivée pour sa prière, il n'a pas pu tenir compte de ce que le roi avait dit, lui-même avoir peur des lions qui étaient là. Il a ouvert grandement la fenêtre, et comme à l'habitude, il a prié son Dieu. Quand les hommes ont pu voir cela, on dit, mais cet homme est un fou. Quel est ce Dieu qui peut délivrer un tel homme, effectivement, de la gueule des lions, parce que ces lions étaient vraiment très affamés, et on les a laissés là-bas, effectivement, parce qu'on voulait que celui qui tomberait là-bas, qu'ils aient l'occasion de pouvoir, effectivement, être détruit complètement. Alors, il y avait aussi d'autres aussi, c'était en fait les trois hébreux croyants. Alléluia. Ah, c'était en fait le temps où la fournaise était donc là, où le roi avait donc déclaré, effectivement, que lorsqu'on entendrait les centurions et tous les instruments, effectivement, on devrait donc s'agenouiller devant donc cette statue, effectivement, de Belshazzar, effectivement. Alors, on a eu à pouvoir sonner les trompettes et tout ça, tous les hommes se sont donc agenouillés, ils ont réellement aussi fait cela, mais on a vu que ces trois hommes-là, ils ne se sont pas agenouillés. Alors que la fournaise était là, ils ne pouvaient le voir, ils ressentaient aussi la chaleur, effectivement, que ça, c'est une réalité. Mais les dieux qui avaient parlé à leur père, ils ne le voyaient pas, ils ne le touchaient pas.
Mais il savait une chose, que ce Dieu-là est un Dieu qui est fidèle. Amen. Mon frère et ma soeur, nous devons savoir qu'effectivement, que parfois, dans notre âge, effectivement, quand le temps avance, effectivement, il y a parfois des pensées qui viennent, des tristesses, vous savez, des découragements, un peu des doutes, effectivement, on commence à se poser un peu des questions. Est-ce que Dieu est capable? Est-ce que Dieu est capable? Quand une telle pensée vient dans ton esprit, alors comme Moïse a pu dire, interroge les temps anciens. Si j'interroge les temps anciens, il interroge les temps anciens, si jamais il y a un Dieu, quand le Dieu que nous possédons, le Dieu que nous possédons, il a dit, je suis l'Éternel. Amen. Alors moi, je ne change point. Amen. Il n'y a pas de changement en moi, il n'y a pas de relation à moi. Amen. C'est pour ça, Élie s'est tenu, il a dit, mais priez, appelez votre Dieu. Alléluia. Peut-être qu'il dort. Oh. Cet homme était dans l'assurance, il dit, mais peut-être qu'il est parti en voyage. Mais si vous criez très fort, il entendra, alors il viendra. Ils ont crié, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a pas de Dieu, amen, si c'est de l'Éternel. Amen. Il dit, ah, en dehors de moi, avant moi, il n'a pas été formé de Dieu. Amen. Et prenez-moi, il n'y a point de Dieu. Je suis le seul. Amen. Il dit, les cieux, c'est moi qui ai déployé les cieux. La terre, je l'ai créée. Qu'est-ce qui peut exister sans que moi, je l'ai appelé à l'existence? En fait, c'est ce Dieu-là qui a amené toute chose à l'existence, qui t'a créé toi, qui m'a créé moi, qui a créé l'air, qui a créé l'espace et tout ce qui nous environne, qui a même créé le temps. Amen. Amen. Qui a imparti effectivement chaque chose à son époque et qui a même donné l'intelligence aux mouches, aux abeilles, ainsi de suite, aux animaux, aux êtres humains, parce qu'il y a l'intelligence dans chaque espèce que Dieu a créée, parce que toutes ces espèces reconnaissent que Dieu est les créateurs. Amen. C'est ce Dieu-là qui est Dieu, la Bible que nous prions et que nous servons. Comme l'ange me dit là, Marie, rien n'est impossible parmi l'Éternel. Amen. Daniel a pu prouver, quand on l'a pris, on l'a jeté dans la gueule au lion, là où j'étais effectivement des lieux, les lieux où se trouvent les lieux effectivement, dans l'Aden, les lieux effectivement. Et voilà qu'il est attiré, il a tiré là-bas, les lieux étaient affamés, les lieux ont pu regarder cet homme, ils ne se sont même pas approchés de lui. Il était tellement doux autour de lui. Les gens qui ont eu à pouvoir adorer effectivement l'extrait, quand ils ont pu regarder, effectivement, c'est pas possible parce que le roi n'a pas pu dormir parce qu'il connaissait l'amour qu'avait Daniel à l'endroit de son Dieu. C'est votre témoignage à vous, mon frère. Votre amour pour Dieu, votre confiance, votre foi, dans toutes les circonstances qui feront que les gens auront du respect à votre endroit. Oui, monsieur, oui, madame. C'est une grâce extraordinaire de pouvoir. C'est pour ça que la Bible dit que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Amen. Mais béni soit celui qui se confie dans l'Éternel. Amen. Parce que c'est un refuge, comme l'Écriture le dit, que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie et se trouve sûrement en sûreté. Amen. Et quand on a pris le Seigneur pour appui, c'est sûr et certain. Nous avons la victoire. Amen. Et la victoire est nôtre aussi, certainement. Même si ça bouge, ça monte, ça descend. Amen. Je me suis accroché à ce rocher. Et sûr et certain que la victoire sera manifeste. Oui, quand Daniel descendit là-bas, le roi, toute la nuit, n'a pas pu dormir, effectivement. Et le grand matin, il est arrivé, vite, vite, il dit, mais Daniel, avec tristesse dans son cœur, parce que pour lui, il disait que les lions l'ont déchiqueté, effectivement, ainsi de suite. Il dit, Daniel, est-ce que ton Dieu, là, il dit, que tu sers, avec dévouement, avec autant d'amour, t'a-t-il épargné? Il dit, oui! Alléluia! Alléluia! Oh, mon frère et ma soeur, qui est bon de connaître ce Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Serait-ce des problèmes? Serait-ce des tribulations? Serait-ce la situation que nous passons? Les douleurs que nous avons? Non, monsieur. Parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, monsieur.
Ça, c'est que nous devons comprendre, mon frère. De qui aurais-je peur et de qui aurais-je crainte, effectivement. Si Dieu, donc, l'Éternel, notre Dieu, est avec nous, qui donc sera contre nous. Nous ne sommes pas des discoureurs, mon frère et ma soeur, mais nous sommes de ceux-là qui expérimentent les choses de Dieu et qui marchent avec le Seigneur et qui parlent effectivement de choses qui sont réelles pour nous et qui sont aussi évidentes, effectivement. Afin que nous puissions être conscients, être rendus conscients de ce que nous possédons en tant que fils et filles de Dieu. Alors, on fait sortir donc Daniel de la fosse aux lions et ses accusateurs, en fait, l'élite, hein, qui étaient là autour du roi, qui ont tout fait les plans et les projets pour que lui soit accusé, afin qu'il puisse être détruit parce que ça, il dérangeait leur projet. Et voilà comment, effectivement, que l'Éternel change les choses. Amen. Et ce sont ces adversaires-là qu'on a jetés dans la fosse aux lions. À peine que leur robe arriva pour voir simplement là qu'ils étaient déjà abris. Par les lions, ils ont été bien mangés. Ils ont été bien broyés. Mais Daniel est sorti. Pourquoi est-il sorti? Parce que le Dieu de Daniel est celui qui a créé tout ça. Lorsque toi, tu aimes Dieu, que tu as la crainte de ces dieux, sois sûr et certain, même la nature autour de toi ressent effectivement ce que tu es là. Les hommes peuvent ne pas comprendre, mais nous dégageons le parfum de Christ. Et quand nous passons quelque part, les animaux même, et un animal qui peut être méchant, quand tu passes quelque part, il devient doux. À ton endroit, parce qu'il sent que tu as quelque chose au-dedans de toi qui est différent. Et c'est quoi que tu as? En fait, c'est cette autorité qui a été restaurée. Puisque l'homme devait dominer sur toute chose. Amen. C'est là la grâce de connaître Dieu. Ce n'est pas une histoire que nous assurons pour répéter. Non, 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 non. En fait, nous parlons des choses qui sont importantes pour nous, que nous puissions devenir conscients de ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Parce qu'il a dit que l'homme devait devenir toute chose. Donc, quand maintenant le Seigneur t'a restauré dans la position de fils de Dieu, alors tu es un fils. Amen. Tu es une fille. Donc à ce moment-là, sur le chemin où tu vas, effectivement, le Seigneur fait en sorte qu'effectivement que tous ceux qui sont autour de toi, c'est pour ça. Toute langue qui s'élèvera contre toi, c'est écrit. Amen. Je crois que c'est quelque part dans le livre d'Ésaïe, non? N'est-ce pas vrai? Réaliser l'écriture, alors peut-être devant être trouvé. Hein? Et juste lire cela et puis nous allons peut-être prendre notre écriture. Ésaïe, je pense quelque part. Je pense que ce sera Bon, alors, j'écoutais bien. Pardon, mon frère, tu disais. J'entends ici 54, j'entends ici 57. Alors, attendez, nous allons regarder cela. Merci beaucoup. Je suis en train de pouvoir trouver les pages ici. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, c'est ça. Ésaïe 54, que Dieu vous bénisse. 54, nous y sommes. Oui, merci beaucoup. Merci. Verset 11, il dit, malheureuse battue de la tempête, et que nul ne consomme. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je donnerai les fondements de sa fille. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et tout ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront ici de l'éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Alléluia. Ces lignes-là contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et tout
s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Nous remercions notre Dieu. Amen. Parce que il est vraiment le Dieu de sa parole. Amen. Si nous pouvons réaliser combien nous pouvons être un peuple qui célèbre son Dieu avec beaucoup de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous, alors nous serons encore beaucoup plus forts. Amen. C'est sûr et certain. Parce que la main de Dieu sur son peuple est une main. Il a dit lui-même, ne touchez pas à mes moines. Ne faites pas de mal à mes profs. Vous savez cela, non? Amen. Et quand on a pu prendre effectivement ces hommes-là, les jeter aussi dans la fournaise ardente, effectivement, ils ont dit, ô roi, vis éternellement, mais certainement tu es roi, mais sache, ô roi, que notre Dieu, amen, notre Dieu, notre Dieu est capable de pouvoir nous délivrer de la fournaise. Amen. Ils étaient des hommes comme vous et moi. Et le feu était là derrière. Mais ils avaient quelque chose. Mais c'est l'assurance et la foi qu'ils avaient dans la capacité qu'avait réellement leur Dieu. Ces dieux-là que tu connais effectivement aujourd'hui, c'est le même Dieu que Shadrach, Abednego et Meshach ont pu adorer. Et devant qui, effectivement, devant le roi, ils pouvaient prendre effectivement cette position en disant, mais notre Dieu est capable de pouvoir nous délivrer de la fournaise, effectivement. Amen. Et certainement, quand ils ont été jetés dans cette fournaise, qui était chauffée cette fois plus grande, ben rien ne leur est arrivé. Leurs vêtements ne sont même pas été brûlés. C'est quelque chose tout à fait extraordinaire et qui est impossible à la science ou à la pensée de l'homme, mais que Dieu accomplit, effectivement, pour ses enfants. Donc, nous avons un Dieu qui a la capacité de changer le cours de l'histoire. Ton histoire à toi, mon frère. Ton histoire à toi, ma soeur. Même si les gens ont décidé ce qu'ils ont décidé, mais l'homme, il peut décider sur toi ce qu'il a envie de pouvoir faire si toi, tu appartiens à l'homme. Mais puisque tu appartiens à Dieu, aucun homme n'a plus le droit sur toi. C'est Dieu auquel tu appartiens qui a maintenant droit sur toi. Quand lui, il dit la chose doit arriver. Lorsqu'il ordonne, elle doit exister. C'est notre confiance en lui, notre foi dans sa parole qui ferait effectivement que nous avancerons avec beaucoup de courage et aussi beaucoup d'assurance. C'est pour ça qu'il dit, fortifie-toi donc. Amen. Et prends courage. Levons-nous pour lire ton livre des Éphésiens au chapitre 10. Éphésiens, chapitre 10. Éphésiens au chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 8. Éphésiens 5, verset 8. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Marchez donc comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est reprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons vous dire encore merci, Seigneur Père. Nous voici dans notre temps, nous implorons aussi ta grâce, les femmes, demeurant l'homme de notre cœur, le rendant la pensée que toi, tu as manifesté même, qu'on a effectivement ce que nous. Nous voulons vraiment nous attacher à toi, à ta puissance, à ta parole. Viens, nous éclairer encore pour cela, parce que tu l'as dit dans ta parole que lorsque tu fais sortir tes brebis, tu
marches du ventre et tes bébés te suivent, Père. Nous pouvons pas entendre la voix de l'étranger, celle de ta voix à toi, notre soir. C'est là que nous voulons s'entendre aujourd'hui. Que tu aies la grâce de pouvoir encore nous élever. Merci parce que tu nous éclaires encore en ce temps. Béni soit ton Seigneur, toi et toi, mon Dieu, matin. Accorde-nous la grâce, nous le t'avons si bien. Pardonne-nous à nos soins, aide-nous encore ce matin. Nous avons tous les obstacles. Je désire prier pour le nom de Christ. Amen. Au revoir, vous êtes. L'Écriture nous montre qu'effectivement, que nous étions, comme il dit, verset 8 de ce que nous avons dit tout à l'heure, chapitre 19. Autrefois, donc, vous étiez ténèbres. C'est-à-dire que nous étions, pendant ce temps-là, ténèbres, parce que nous vivions comme tous les autres, effectivement. Et je crois que c'est ce que, aussi, l'apôtre Paul, même aussi dans les sept écritures, aussi, il est dit ici, au chapitre 2, ce qu'il dit autrefois, vous étiez donc ténèbres. Au chapitre 2, les Éphésiens, le verset 1, il dit, vous étiez donc morts par vos offenses et par vos péchés, dans l'état dans lequel nous nous trouvions. Parce que nous étions effectivement ténèbres et nous marchions dans les ténèbres. Il continue, dans lequel, verset 2, vous marchiez autrefois. Suivez? Parce que au chapitre 5, verset 8, il a dit autrefois vous étiez ténèbres. Elle nous montre effectivement ici au chapitre 2 ce que cela produisait et ce que nous produisions aussi. Parce que il dit au verset 2 ici dans lesquels vous marchiez. Non, il dit non, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Je ne sais pas si vous prêtez bien attention aux paroles que nous lisons et que les Saintes Écritures vont venir effectivement ici. Il dit bien, autrefois vous étiez ténèbres. Et comme nous étions ténèbres, effectivement, alors nous étions sous cette domination de ces princes des ténèbres, vous comprenez cela? C'est pour ça qu'il dit ici, vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, en fait. Et quand nous étions dans les ténèbres, effectivement, nous étions soumis à la pression de ce monde, à ce que le monde peut arriver à pouvoir prendre comme décision, que ce soit pour l'amour, que ce soit pour ceci, effectivement, nous avions cet esprit, effectivement, qui suivait, effectivement, tout ce que le monde disait, parce que nous étions, effectivement, dans le monde, nous étions, effectivement, sous la domination de cet esprit. Il est très bien, il dit, donc, selon le train de ce monde, il est très bien, selon, donc, nous marchions, selon le prince de la puissance de l'air. Donc, en fait, c'est que ces princes de l'air, effectivement, nous étions sous sa domination et nous faisions effectivement ce qui lui plaisait. Donc ce que nous produisions, effectivement, c'était ce que lui, il voulait, parce que nous étions dans son monde, nous étions dans son milieu, et nous avons son esprit, parce que l'Écriture dit effectivement ici, et il dit, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Donc effectivement, son esprit étant effectivement là pour dominer effectivement aussi ceux qui sont aussi dans son monde, effectivement. Alors c'était tous enfants de la rébellion, comme l'Écriture le dit aussi, effectivement. Il dit, verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nom. Est-ce que vous nous suivez? Amen. Est-ce que vous suivez l'Écriture? Amen. Il faut entendre comment l'Écriture dit, mais nous tous aussi, nous étions. Pas que nous sommes, mais nous étions. Donc, il faut qu'on voit effectivement l'état dans lequel c'est le monde, effectivement, où nous étions. Et quand nous étions dans cet état d'esprit, effectivement, quels étaient le fruit ou les œuvres, effectivement, que nous manifestions? Qu'est-ce que nous manifestions, effectivement, étant sous cet esprit-là? Parce que dans ce monde, effectivement, des ténèbres, où le prince de l'air, effectivement, c'est là que vous pouvez voir réellement si vous avez réellement été sanctifié. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Parce que c'est absolument important. Parce que quand nous étions sous cette domination,
a fait seulement pour les prêtres de l'air, a fait la domination sur nous, effectivement, l'esprit de la rébellion en nous. Eh bien, il dit, mais nous produisons quelque chose, effectivement. Il dit, nous étions tous aussi de leur nombre, et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et remarquez bien comme l'Écriture pointe bien d'une manière assez claire, il dit, mais quand nous étions là-dedans, sous la domination de cet esprit-là, parce que mon frère et ma soeur, il faut que tu sois conscient, que tu réalises effectivement que la Bible dit que sans la sanctification, amen, sans la sanctification, personne ne pourra voir Dieu. Amen. Parce que quand on parle de la sanctification, c'est vraiment le nettoyage profond. Amen. L'âme, le corps et l'esprit. Amen. Donc tout va réellement ensemble. Parce que les pensées... Vous savez, frères et sœurs, c'est que ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Ça a pour sa raison. Mais qu'est-ce qui suit l'homme, effectivement? C'est ce qui sort de l'homme. Amen. Ce qui sort de toi, c'est quoi? C'est ce que tu dis. N'est-ce pas vrai? Mais avant de dire, tu as d'abord la pensée. Parce que tes paroles sont aussi tes pensées qui sont exprimées. Allez, nous disons encore, nous tous, verset 3, nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Donc en fait, nous étions soumis à la chair, effectivement, et elle avait cette domination sur nous et nous faisions ce que notre chair voulait en fait. Parce que nous étions sous cette domination-là. Mais regardez, d'abord, un peu, ou aller un peu plus, juste sauter un petit peu plus loin. Dans le livre des Romains, je pense que c'est ça. Regardez, Romains, Romains chapitre 8, verset 9, il dit. On met pas tant que ça. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Vous entendez ça? Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas. Pas selon la chair. Amen. Vous vous souvenez de Éphésiens chapitre 2? Amen. Vous vous souvenez? Amen. Nous lisons verset 3, il dit, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair. Vous suivez? Amen. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. N'est-ce pas vrai? Amen. Nous retournons au chapitre 8. J'allais dire encore un verset, dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Pour vous, vous ne vivrez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Donc il appartient à quelqu'un. Parce que dans le chapitre 2, nous l'avons dit, effectivement, vous vous souvenez, frère et soeur, nous revenons au chapitre 2, il dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois sur les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant, le fils de la vie. Donc nous étions sous cette domination, nous appartenions. Ah, c'est lui qui domine sur la ténèbre, le prince de la ténèbre. C'est pour ça, nous avions donc, comme dit lui, nous avions donc l'affection de nous, nous étions dans nos vies, selon le convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Bon,
comprenez cela, vous? Amen. Alors, au chapitre 8 de Romains, il dit, mais tous ceux qui s'affectionnent au corps, à la chair, est inimitié, effectivement, à Dieu, parce que elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Mais pour vous, vous ne vivrez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit est celui qui a reçu Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a reçu Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Verset 12. Ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. Alléluia. Amen. Il y a bien quelque chose qui soit passé quelquefois, parce qu'il dit, mais autrefois vous étiez ténèbres, les yeux. Ephésiens 5, verset 8. Il nous montre effectivement ce que, lorsque nous étions ténèbres, sous quelle domination nous étions et qu'est-ce que nous produisions comme œuvre, effectivement. Dans cet état dans lequel nous étions soumis par le monde, effectivement, affectionnés à la chair, effectivement, nous accompagnions, nous vivons selon ce que notre chair voulait, ce que nous voulons, c'était moi je veux, moi je pense, donc c'était nous, parce que la chair le voulait ainsi. Ainsi que vous pouvez voir, effectivement, que la parole de Dieu parle dans le livre de développement. Je pense que c'est cela. Dieu dit, je pense que c'est cela. Et voilà. Verset 1. Dévoilez-toi, toi. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps. Car les hommes seront égoïstes. Vous comprenez? Si je suis donc égoïste, donc c'est moi, c'est ma chair qui désire quelque chose. Vous comprenez ça? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, révélateurs leurs parents, ingrats et religieux, insensibles de l'œil, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Ayant donc l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ce que l'on voit, effectivement, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette personne. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, effectivement, ce qui découle. Ce qui veut dire qu'ils sont toujours esclaves, en fait, de leur premier maître. Ah oui, c'est sûr et certain. Et Ephésiens nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Parce qu'ils ne feront jamais grand progrès. Amen. Pour quelle raison, effectivement, la Bible dit, effectivement, elle est très bien. Dit, c'est ça, il y a l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il n'y a pas de sentiment à ce moment-là, oh, vous savez, non, non, non. Dieu te dit clairement, Amen. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Parce que c'est cela qu'on parle, quand on parle de l'amour de Dieu, c'est ça l'amour de Dieu. Amen. Quand il te dit ça, il dit non, c'est mon cousin, c'est mon oncle, c'est mon grand-père, c'est mon ceci. Non, 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 non. Quand Dieu a dit éloigne-toi, je préfère que les hommes pensent de moi ce qu'ils veulent. Amen. 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 Mais quand cela vient de Dieu, que je fasse ce que Dieu veut, alors, mon frère et ma soeur, il y a quelque chose qui doit être au plus profond de notre cœur. C'est ce que le Seigneur Jésus a pu répondre, effectivement, quand on lui a posé la question, quel est le plus grand, le premier tous les commandements? Il a dit, écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique. Amen. Tu l'aimeras de tout ton cœur. De ton âme, même si c'est pour ta vie à toi. Vraiment. Amen. De tout ton être, de tout ce que tu es. Amen. Parce qu'il devient ton absolu en fait. Amen. Dans ta propre vie à toi.
Même si ta pensée te dit A et que Dieu t'a dit B, je choisis ce que Dieu me dit. Donc continuons rapidement. Regardez bien, il dit, il en est ainsi parmi eux qui s'introduisent effectivement dans les mansions et qui attirent effectivement les femmes, fertiles de faibles femmes chargées de péchés, agitées par les passions de toute espèce. Verset 7, il dit, apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Voyez, en fait, ils ont l'apparence de la piété. Mais Rémi, en fait, ce qui en fait la force. Alléluia. On ne peut pas fabriquer l'amour, mon frère. Vraiment. Vous savez, alléluia. Chacun de nous tous, nous avons l'amour. Et c'est l'amour filial. Cet amour qui te pousse à pouvoir aimer celui qui est dans le tribut que toi, ton fils, ta fille, ta femme, ainsi de suite, et ses enfants. Ça, c'est ce qu'on appelle cet amour filial, qui est l'amour que nous avons tous. Parce qu'il faut que nous aimions nos enfants, il faut que nous puissions. C'est normal. Car chacun de vous peut le manifester. C'est pour ça, quand on touche à tes enfants, tu t'élèves. Pourquoi mon fils? Pourquoi ma fille? Pourquoi mes enfants? C'est cet amour que tu as à leur endroit. Tu les appropries, effectivement. Mais quand tu as l'amour de Dieu, cet amour-là, il est différent de l'amour filéo que nous avons. Amen. Et puisque l'amour filéo vient des hommes, alléluia. Mais l'amour de Dieu vient des dieux. Celui-là, on ne peut pas le fabriquer. Non. C'est pour ça, la plupart du temps, les gens confondent l'amour filéo avec l'amour de Dieu. Amen. Il faut bien faire très attention. Amen. Parce que l'amour filéo n'est pas l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu n'est pas l'amour filéo. Non. L'amour de Dieu, c'est l'agapao. Amen. Oui, mon frère. Donc, il faut carrément que nous comprenions que pour que nous en passions, filéo, nous l'avons tous. Amen. Et qui fait effectivement, comme on sait, comme l'avons entendu, effectivement, ce qui est quand tu as ta femme, tu as tes enfants, effectivement, tu as ta famille, tu as ta famille à toi, tu aimes ta famille. C'est l'amour que tu as. Mais quand l'amour de Dieu vient, il est tout à fait différent. Amen. Cet amour de Dieu te place au-dessus. Amen. Au-dessus de l'amour filéo. Amen. En fait, l'amour, l'agapao, écoutez bien, frère et soeur, l'agapao contrôle l'amour filéo. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est important parce que. Alléluia. Vous pouvez être dans une même famille, effectivement. Quand vous avez le même amour filéo, vous combattez les uns pour les autres, effectivement. Oui, on a fait ça, mon frère. Il m'a dit, oui, moi je suis comme ça, je me dis, moi je ne crois pas comme ça, mais bon, j'ai fait ça pour aider quand même, afin qu'on soit sans problème. Mais quand tu reçois l'amour agapao, que ton cousin ne soit pas conforme à la parole de Dieu, que ta maman ne soit pas, ton père ne soit pas, donc tu ne vas pas dire, mais parce que c'est mon père, je vais le faire. Non, monsieur. Parce que c'est Dieu qui le veut, amen. Puisque ce n'est pas conforme à Dieu, moi je fais ce que Dieu veut que je fasse. Donc cet amour ici est plus important que celui-ci. Amen. Le véritable amour que vous pouvez avoir pour vos enfants vient de celui-ci. Celui-ci, c'est la parole qui s'est mis au-dessus. Il va bien vous apprendre. Amen. Comment aimer celui-ci? Amen. Comment aimer celui-là? Il sait contrôler les limites. En fait. Amen. Parce que dans les filets, on va où? Mais l'agapao, il contrôle effectivement. C'est pour ça que nous avons besoin de pouvoir vraiment entrer dans une dimension. C'est dans cette dimension-là, mon frère et ma soeur, que c'est lui qui avait le contrôle. Parce que vous savez, frères et sœurs, c'est lui qui a le contrôle sur toi, sur ce que tu es, quand tu viens au monde, c'est le diable. Parce que d'abord, on est né par la voie par laquelle ce n'était pas ça. Et la chose est venue, comme vous savez, mais Dieu savait. Pour ça, il a fait l'homme et la femme. Vous comprenez? Rien ne lui échappait. Tant que le diable a le contrôle, effectivement, c'est pour ça qu'on vient avec les caractères meurtriers sur la terre, effectivement. Parce qu'il contrôle. Maintenant, quand on passe, ma
dans cette dimension ici, c'est lui qui avait le contrôle sur notre corps, nos pensées, notre cœur, doit faire de nous ce qu'il voulait. Il ne peut plus avoir le contrôle sur nous parce que Dieu te donne maintenant le pouvoir, oui, d'avoir le contrôle sur toutes choses. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Je veux que vous compreniez. Alors, le prince des ténèbres, effectivement, Satan le diable, avait le contrôle sur toi. Je vais vous ramener quelque part, vous puissiez pas. Quand on retourne dans les jardins d'Éden, où l'homme était placé dans ce jardin, je voulais que vous puissiez me dire, qui est celui qui avait le contrôle sur Adam? Les anges existaient, Raphaël, les archanges, il n'y avait aucun ange. Il n'y avait aucun ange, un archange qui pouvait avoir le pouvoir sur Adam. Amen. Parce qu'il était un fils de Dieu, il était Dieu, monsieur. Mon frère. Et quand Adam devait faire quelque chose, c'était Dieu lui-même qui parlait avec Adam. Amen. Et puis Dieu a dit, mais qui domine sur toutes choses. Donc, il n'y avait pas un ange qui dominait sur tout, c'était seulement Adam qui avait le droit sur toutes choses. Amen. Donc il était maître des trous. Amen. De l'air, des trous. Il était maître parce qu'il est un fils de Dieu. Alléluia. Oui, monsieur, oui, madame. Qui pouvait dire, mais que ceci se fasse effectivement. Les gens le faisaient. Oui, monsieur. Mais c'est vrai. Mais c'est quand le péché est entré. Parce que Satan cherchait par tous les moyens comment arriver à pouvoir contrôler et dominer l'homme. Aussi longtemps que l'homme était dans la présence de Dieu, il n'y avait pas une autre domination que celle de Dieu. Il n'y avait pas d'autre soumission que celle d'être soumis à Dieu. Et quand tu es soumis à Dieu, tu as le contrôle de toutes choses. Bien sûr, messieurs, bien sûr, madame. C'était un fils de Dieu. Et les autres sont les serviteurs au service du fils de Dieu, effectivement. Donc, c'est cela, effectivement. Et ainsi donc, c'est quand le mal est entré. Et à ce moment-là, il a perdu, effectivement, le contrôle, effectivement, que Satan, maintenant. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous pouvez réaliser que les livres de la rédemption retournaient entre les mains de c'est lui qui était donc le créateur originel, effectivement, le donateur, bon, excellent. Donc, quand, maintenant, nous retournons dans la position dans laquelle Dieu veut que nous puissions être. C'est pourquoi vous avez remarqué que dans Romains au chapitre 8, il est dit effectivement que vous ne vivez pas selon la chair, si du moins l'Esprit de Dieu est sur vous. Non, habite en vous. Amen. S'il habite en vous, alors vous n'êtes plus des points rédhibables à la chair. Donc à ce moment-là, je ne peux pas prendre j'ai envie d'aller en fait dans un cabaret là, prendre fils qu'un petit verre de gin tonic. Non, monsieur. Parce que c'est nocif. Je ne peux pas. Avant, oui. Je passais, j'entendais si c'est quel groupe là qui jouait, effectivement, ça va pouf frapper. On se retrouve sous la piste en train de pouvoir danser. C'est parce vrai. Que la chair et l'esprit étaient dedans. Mm-hmm. Mais maintenant. Même si ça joue, la guitare est tellement si forte, effectivement, dans la boîte à côté, je ne peux pas ouvrir la porte et y entrer. Non. J'ai dit, mon corps ici ne peut pas entrer là-dedans. Amen. Personne ne t'empêche. Tu es seul. Oui. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi. Amen. Qui donne le pouvoir. Et dit que mes pieds ici, plus jamais. Amen. C'est comme quand je parle aux gens qui sont toujours accrochés, toujours à des Carlsberg et des ceci et des slices, il n'y a pas de problème, c'est libre pour vous. Mais asseyez-vous un peu à ce moment. Dis même, Carlsberg, tu es ici. Tu es là, Carlsberg. Et ça, c'est sur ma main. Eh bien, mes mains ne vont pas te toucher. Lève-toi toi-même. Voilà. Va dans ma bouche et prie non de mon ventre. Casper ne va pas s'élever, la bouteille ne va pas s'élever là pour chercher ta bouche comme ça. C'est toi qui. Non. Et tu prends là avec ta main et puis tu dis Casper vient. C'est normal. Il est dans la caisse. Si toi tu ne le prends pas, il ne va pas entrer. Tu vas me dire, oh frère, je ne peux pas. Mais si tu peux. Si tu peux. Il est là, il dit, mais si toi tu es fort, lève-toi, viens dans ma bouche. Il ne va pas rentrer.
Il verra 100 ans là-dedans, vous ne pouvez pas rentrer. Mais c'est quand toi qui dis, non, je veux prendre les casse-bêtes, c'est normal, monsieur. Dieu t'a donné l'autorité. Amen. Que rien ne puisse dominer sur toi. Amen. Mais que toi, tu puisses dominer donc sur la chute. Retourne vite dans la chute. Dominer effectivement sur le chute. Alors, retourne vite, effectivement, pour les pas. Alors, il dit effectivement pas. Au verset, nous relisons donc au verset, nous relisons verset 3, chapitre 2. Éphésiens. Il dit donc, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois. Selon le convoitise de notre chair. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions donc par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Et alors, et c'est là que notre bien-aimé frère ici, l'apôtre Paul, qui dit, oui, verset chapitre 5, verset 8, il dit, autrefois vous étiez donc ténèbres, n'est-ce pas vrai? Il dit, et maintenant vous êtes une lumière dans le Seigneur. N'est-ce pas vrai? Oui. Marchez donc comme des enfants de lumière. Nous retournons au chapitre 2 de l'Éphésiens. Dans les gens de verset 3, il dit, nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois sur le convoitise de notre chair, accomplissant les pensées, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, alléluia, amen. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, amen. N'est-ce pas vrai? Amen. À cause du grand amour dont tu nous as aimés. Là, ce n'est pas l'amour fléau, non. C'est l'amour agapao. Amen. Vous voyez, mon frère et ma soeur, que l'amour agapao est vraiment un amour différent de l'amour fléau. Toi et moi, nous étions vraiment dans ces choses-là. Mais quand Dieu a jeté les regards sur toi et sur moi, étant dans ces choses-là, la Bible dit, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Vous voyez que l'amour de Dieu est différent de cet amour qu'on appelle fléau, parce que quand vous avez cet amour fléau, l'amour humain, lorsque quelqu'un vous a fait quelque chose qui n'est pas bien, vous avez difficile de pouvoir vraiment l'aimer cette personne. C'est la vérité, puisque nous sommes des humains. Mais ici, l'Écriture nous montre effectivement que Dieu, qui est lui le Créateur et qui a donné aussi des instructions, et qui est réellement prêt à pouvoir vouloir que l'homme soit là, ce que lui voulait, quand il a vu que l'homme est ce qu'il était dans cette condition-là, la Bible dit à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ça veut dire que Dieu qui est riche en miséricorde. N'est-ce pas vrai? C'est pourquoi l'Écriture dit que soyez aussi miséricordieux. Amen. Donc la miséricorde est quelque chose que Dieu nous accorde aussi parce que c'est la nature de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'un homme qui est miséricordieux, il pardonne facilement. Amen. La miséricorde te pousse à pouvoir pardonner. Amen. Parce que la miséricorde marche avec l'amour de Dieu. Amen. Quand on a l'amour, on sait aussi comprendre. Amen. Et aussi pardonner. Amen. Puisqu'on se met à la place de la personne. Amen. 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 Dieu qui est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont tu nous as aimés. Alors, on continue. Dit, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. Donc ce n'est pas que ni toi ni moi nous avions fait quelque chose. Non,
C'est parce qu'effectivement, Dieu s'appelle amour. Amen. À cause de l'amour de Dieu. C'est pour ça, écoutez, frères et sœurs, c'est pour ça l'Écriture dit, car Dieu a tant aimé le monde. Elle dit que tout homme que tu vois sur la terre, prostitué, mauvais, même Hitler et tout ça, car Dieu a tant aimé le monde. Donc l'amour de Dieu est pour toute la création entière. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu, monsieur. C'est pas l'amour filial, non, monsieur. C'est l'amour de Dieu, effectivement. Et cet amour est pour chaque être humain. Amen. Et qui dit, et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, amen, et qu'il ait la vie. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu qui s'est élancé vers nous, effectivement, pour que nous puissions. Et nous l'avons vu, cet amour, effectivement, de Dieu, effectivement. Nous savons comment est-ce que nous voyons cet amour. C'est que quand nous étions dans le ténèbre, mon frère, c'est pas vrai? Vous vous souvenez de l'Écriture qui dit, en fait, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vraiment. N'est-ce pas vrai? Amen. Il n'y a en effet, il n'y a aucune différence maintenant entre les juifs et les grecs. N'est-ce pas vrai? Amen. Romains au chapitre 10, je pense. Hein? Puisqu'ils ont tous un même Seigneur. N'est-ce pas vrai? Amen. Ok. Romains au chapitre 10, je pense que je peux juste ici. Romains au chapitre 10. Voilà. Verset 12, il dit, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et les grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé. Amen. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, comment sommes-nous arrivés à pouvoir et voir aussi voir l'amour de Dieu? Parce que nous l'avons vu. Mais c'est par la prédication de la parole de Dieu. Amen. La parole nous a montré effectivement comment cet homme, effectivement, c'est Jésus le Seigneur, est né. Et pourquoi il est venu dans le monde, effectivement, et quand il est né, ce que les anges ont dit, effectivement, à son sujet. Et comment il a vécu, effectivement, parmi les religieux, effectivement, jusqu'à ce que il a été mené devant Ponce Pilate. Lui qui pouvait, qui était le roi, qui était Dieu lui-même, il pouvait faire ce qu'il voulait faire, effectivement. Mais il s'est laissé flageller. Il s'est laissé insulter. Et pourquoi il s'est laissé insulter? Et pourquoi il s'est laissé faire? Jusqu'à ce qu'on l'a amené à la croix. Frères et sœurs, vous savez que les religieux, effectivement, le Sanhédrin, ils sont venus autour de lui dire, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix et nous te croirons. Il pouvait le faire. Et il pouvait le faire, il pouvait descendre, effectivement, de la croix. Mais s'il avait fait, mon frère et ma sœur, s'il avait fait, toi et moi aujourd'hui, nous serons toujours dans les péchés. Mais il n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il a pensé à toi. Amen. Il a pensé à moi. Amen. Il n'a pas pensé à lui. Le souffrance qu'il endurait, effectivement, c'était sur lui, en fait. Parce qu'il était fait de chair humaine comme toi et moi. Amen. Les douleurs, il ressentait. Amen. Les insultes aussi, ça les fait aussi sur lui. Parce qu'il était 100% homme. Amen. On ne l'insultait pas parce qu'il avait fait quelque chose, effectivement. Mais en fait, c'était parce qu'il a porté tes iniquités à toi. Amen. C'est quand nous pouvons voir ce que Dieu a fait, effectivement, parce qu'au travers de cet homme de Galilée, on dit maintenant que c'est Dieu, il est vraiment amour, parce que même pendant ce temps-là, moi j'ai craché sur lui, mais il le faisait pour moi. Amen. Toi, tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un qui t'a insulté et qui t'a mal parlé, qui fait ceci, et puis ça, il va pouvoir lui-même, même si, et la personne ne sait pas, mais tu fais du bien pour la personne. Non, monsieur, non, monsieur, tu dis non, c'est pas possible, il m'a fait ça, moi je ne peux pas faire ça pour lui, hein, tu ne peux pas faire ça pour lui, tu vas trouver des excuses, mais lui, non. Amen.
La rien que tu l'as jeté. Même à la croix de Golgotha. Alléluia. On l'a frappé. On l'a couronné. On l'a flagellé. On a ouvert même son dos. Il s'est dit encore là. Il dit, mais Père, pardonne-le. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon frère, il faut avoir l'amour. Amen. Moi, la croix pour toi. Mais j'ai dit, non, mais Seigneur, venge mon sang. Mais lui, non. Il dit, mais pardonne-le. Oui, monsieur. Pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, monsieur, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Amen. Et ils savaient effectivement, mais c'est son ils ne voient pas très clair. Si, s'ils pouvaient. C'est comme ça que toi, tu dois agir envers ton frère. Quand il t'insulte, quand il dit, Seigneur, s'ils pouvaient te connaître. S'ils te connaissaient, ils n'auraient pas pu faire ça. Mon frère et soeur, l'amour de Dieu est différent. Et l'amour filéo que vous avez. Amen. Quand tu pries pour quelqu'un, pour qu'il dise, priez, bénissez ceux qui vous maudissent. Parce que si cet homme-là, cette femme-là, avait vraiment Christ en lui, il ne peut pas te maudire. Amen. Il t'aimerait parce qu'il a l'amour de Dieu en soi. Amen. Alors il t'aimera aussi parce que vous avez tous la même nature en fait en Dieu. Mais s'il te fait ça, c'est parce qu'il ne t'a pas, n'a pas connu Dieu. Amen. Amen. Alléluia. C'est vrai. Nous devons réaliser, comme l'Écriture le dit, autrefois vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Frères et sœurs, écoutez, je ne vais prendre pas beaucoup de temps, mais un petit peu, mais lumière dans le Seigneur. Avant, nous marchons effectivement dans les ténèbres, comme l'Écriture le dit. Selon le train de ce monde, les princes de ce monde, et ainsi de suite, effectivement. Mais il s'est passé quelque chose. Quand nous avons entendu, ne pas devenir chrétien parce que vous avez adhéré à une religion. Parce que si vous avez adhéré à une religion, vous êtes toujours perdu. Amen. Parce que la religion ne sauve pas. Amen. Il s'est passé quelque chose que j'étais dans le train-train de ce monde, mais un jour, j'ai entendu parler de quelqu'un. Amen. Si tu as entendu parler de la religion, c'est autre chose. Mais en fait, si tu as entendu parler de quelqu'un, il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Alléluia. J'ai entendu parler de quelqu'un. Alléluia. Et j'ai entendu parler de ce que ce quelqu'un-là a fait pour moi. Amen. Et quand j'ai regardé ce que j'étais, parce que aussi au plus profond de moi-même, je voulais me débarrasser de ce que j'étais. Amen. Mais je ne savais pas comment me débarrasser. Amen. Amen. Alléluia. La femme. Vous connaissez, non? Amen. Samaritaine. Oh, yes. Vous savez, il y a des raisons pour aimer cette femme. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma belle et ma soeur. C'est vrai, frère. Là, mon cœur ne peut pas rester insensible. C'est pas possible, frère. C'est une grâce d'avoir Jésus de Nazareth. Frère, vous vous rendez compte que, frère, contre tout ce que les hommes pouvaient penser, il n'en avait rien à faire. Parce que les hommes ont la lampe pendue, effectivement. Il est venu s'asseoir au puits. J'aime Jésus. Là où les hommes disent, mais ne t'approche pas parce que si on te voit souvent avec un. Non, non, non. Il est venu s'asseoir au puits. Alléluia. Et la femme était chez elle à la maison. Oh. Cette femme menait une vie aussi mauvaise. Amen. Mais elle n'en voulait pas, mais parce que le prince de l'homme était sur lui. Amen. Il y a des choses que tu ne devrais pas faire, mais il y a une puissance de ténèbres autour de toi. Tu ne sais pas t'en débarrasser. Tu veux que quelqu'un puisse t'aider à sortir de là. C'est pourquoi ne critiquez pas vos frères, ne critiquez pas vos soeurs. Non, monsieur, priez les uns pour les autres. Au téléphone et mon frère et ma soeur. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que nous puissions comprendre, effectivement, ce que nous avons à faire. Oh oui, monsieur. Nous sommes des messagers de Dieu. Amen. Alléluia. Toi, mon frère, tu es aussi un messager. Amen. Toi, ma soeur, tu es aussi un messager. Amen. Sûr. Amen. Et il s'est assis là. Les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'il fait, là, effectivement?
Il perd son temps, il fait croire, puis puis d'abord, envoyer d'abord ses disciples pour aller avoir chez à manger, et c'est assis dit, mais j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Il est assis là. Alléluia. La femme là-bas, dans la maison où elle était, effectivement, son cœur brûlait, travaillait, dit, mais pourquoi je vais aller puiser de l'eau maintenant? Lève-toi, Saint. L'amour de Dieu, frère. L'amour de Dieu. Oh, cet amour. Mais comme il dit, mais si chaque fille. Alléluia. Et dès que si le même chaque homme même écrivain. Décris l'amour de Dieu. Décris l'amour de Dieu. Sécherez les océans. Amen. Quand j'étais dans le plus bas profond. Où aucun homme ne veut même pas me regarder. Cet amour-là. Amen. Et je me ramasse. Mon frère, comment ne pas en mon retour aussi donner aussi ma vie? Oh oui, ma soeur. Souvenez-vous de ce que nous étions. C'est, nous ne cherchons pas la religion, frère. Nous cherchons ces Jésus-là. Pour ce qu'il a fait alors que je ne les cherchais pas moi. Je ne pensais même pas à lui. Je vais penser simplement à ma vie, à mon avis, à mes projets, des grands projets. C'est la phase de vie, mon frère. Cette femme-là, dans sa maison, augmentée dans son corps, effectivement, il ne savait pas comment s'en débarrasser. Quand tu gémis, Dieu te voit. Les hommes peuvent parler du mal de toi. Mais c'est dans le profondeur, parce que le Seigneur sonde le cœur de la femme. Lorsque tu pleures là, les gens ne comprennent pas, Dieu te comprend. Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Amen. Parce que Dieu n'est pas comme moi. Ses yeux ne sont pas comme le mien. Amen. Il est Dieu. Amen. Dans ses cœurs, il est mis un cœur, effectivement, de pouvoir sortir. Et là, il était assis au puits, là, à ces puits-là. C'était un dernier rendez-vous. Le bruit de Jacob. Alléluia. Alléluia. Le bruit. Vous vous souvenez, non? Amen. Amen. Au bruit. Alléluia. Toujours au bruit. Amen. Aïe. C'est à ces bruits là. Et voilà qu'elle arrive là. Et jette un coup d'œil, le regarde. Pressé dans sa pensée, où je vais puiser de l'eau, je rentre et puis profondément, ça sera toujours comme ça ma vie. Non, monsieur. Amen. 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 Il y a un jour que Dieu a fixé pour toi. Amen. Oui. Tu n'auras pas toujours les trains, oui, je suis pas bien aujourd'hui, c'est pas un coup de non, monsieur. Ce fardeau-là, Dieu va l'ôter. Amen. Toi, aie simplement confiance en ces dieux. Mon frère de ma soeur, il n'y a rien qui soit impossible. Amen. Rien impossible à l'éternel. Il fera les choses qui sont impossibles à tes yeux. Parce qu'il est Dieu, monsieur. Amen. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile. Pour que vous sachiez qu'il y a un Dieu dans le ciel. Amen. Qui est capable de changer le cours de l'histoire. Amen. 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 Alléluia. J'ai longtemps erré sans guide, altéré et vrai bonheur. Mais hélas, que ravide, j'ai trouvé. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, alléluia. La main qui sort. Oh mon frère et ma soeur. Alléluia. Nous avons besoin de ce soir. Quand la femme s'avance effectivement avec son fardeau, ça ne veut pas qui pouvait la délivrer de ça. Tout le monde avait un mauvais témoignage d'elle. Oui. Et au plus profond de cela, il ne voulait pas de cela. Et qui me délivrera de cela. Amen. Ya, monsieur. Oui, madame. Et voilà qu'elle arrive là et trouve quelqu'un qui est assis. C'est toujours lui qui s'intéresse à toi. C'est vrai. Quand tous les hommes ne voudront même pas vous regarder. Oui. Mais lui, il a toujours le regard sur toi. Alléluia. Amen. Reviens, Seigneur. Avec tes enfants, nous attendons les cœurs brisés de monde à toucher à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Et quand tu as quelqu'un qui dit effectivement,
donne-moi à boire. Alléluia. Oh. Et vous, ça doit l'avoir aussi, c'est pour dire, mais tu me donnes, tu me demandes à moi à boire. Parce que je suis une femme, quand on me voit, je suis méprisé, qu'on ne peut même pas m'approcher. Il dit, mais il n'y a pas de relation entre vous, Juifs et nous, Samaritains. Il dit, mais si tu connaissais. Amen. Alléluia. Amen. Le don de Dieu. Amen. Et c'est lui qui te bat ici. Oh, oh mon frère et ma soeur, c'est ce que Dieu fait pour toi. Amen. C'est la grâce que Dieu t'accorde, mon frère, ma soeur. Tu as prié. Tu as pleuré, Seigneur, comment est-ce que je peux sortir de cette situation? Comment est-ce que ma situation peut être changée? Il dit, mais si tu connaissais les dons de Dieu, et c'est lui qui te parle, toi-même tu aurais demandé qu'il y ait de l'eau à boire, de l'eau qui aurait donné effectivement jaillira. Seigneur, tu n'as même pas de quoi viser de l'eau. Alléluia. J'aime. Amen. Il dit, mais tu boiras de cette eau. Demain, tu reviendras. Amen. Amen. Parce que cette eau ici ne peut pas étancher la soif. Amen. Parce qu'il avait une soif. Amen. Dieu connaît réellement ce que tu as besoin. Amen. 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 Il a dit dans sa parole que toi, fais de l'éternel tes délices. Amen. Et 100%, il va te donner ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Est-ce tes enfants? Il va te les donner. Amen. Est-ce la santé? Il va te donner. Oh, merci, Seigneur. Est-ce la joie? Il va te donner. Amen. Est-ce le foyer? Il va te donner. Amen. Il dit, mais si moi, je donne ces tours-là, il ne va plus venir puiser ici. Parce que c'est là qu'on va agir en toi, c'est la vie éternelle. C'est comme cela que la femme tourna maintenant, réalisa cette grâce que Dieu venait de pouvoir accorder. Vous connaissez effectivement la suite. Nous devons réaliser que le Seigneur, notre Dieu, n'est pas un Dieu qui est sourd. Non. Oh, Dieu. Amen. Amen. Mais c'est vraiment un Dieu qui a des oreilles. Amen. Parce que c'est celui qui a créé tes oreilles. Amen. Parce que s'il ne pouvait pas comprendre, en fait, il ne peut pas créer les oreilles que nous avons. Non, non. Mais il a créé les oreilles parce que lui aussi il a des oreilles. Amen. Il a créé la bouche aussi parce qu'il a aussi une bouche aussi. Amen. Parce qu'il parle aussi, mon frère. Amen. Amen. S'il te parle, c'est parce qu'il veut que tu comprennes. Amen. Que c'est sa volonté. C'est que tu changes ces situations dans lesquelles tu te trouves. Le problème, c'est que nous ne voulons pas donner à Dieu ce que Dieu attend de nous. Nous nous sentons en fait en certain moment capables de pouvoir faire quelque chose. Mais c'est quand tu te sens capable de pouvoir faire la chose par toi-même que tu n'as pas besoin de Dieu. Malgré que tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ton aide en fait. Si tu as besoin de l'aide de Dieu, alors laisse Dieu me la faire. Mais si tu as besoin de Dieu et que toi tu continues à pouvoir faire, comment veux-tu que Dieu puisse faire? Laisse Dieu faire maintenant, dit Seigneur, moi j'ai essayé, mais je ne suis pas arrivé. Amen. Maintenant, j'ai besoin que toi, tu puisses prendre le contrôle. Amen. Prends la chose entre tes mains et agis. Amen. Dieu agira. Amen. C'est sûr et certain. Et la situation dans laquelle tu te trouves va certainement être changée. Amen. Et il dit, maintenant vous êtes libérés dans le Seigneur, marchez comme des enfants. Je l'ai effectivement dans le livre d'Éphésiens. Dit, marchez comme des enfants de lumière, vous suivez? Verset 9.
dans le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Vous entendez ça? De bonté, toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et ça, c'est quelque chose qui se trouve effectivement dans un Fils de Dieu. De la même manière que Dieu est bon, quand je chancelle, oh Dieu, ta bonté à toi, mes sœurs d'amour. Est-ce que vous comprenez ça? Quand je chancelle, oh Dieu, ta bonté à toi, mes sœurs d'amour. C'est cette nature, ce caractère que Dieu veut que nous puissions avoir, mon frère. Parce que nous sommes appelés à pouvoir avoir la nature divine de notre Père Céleste en nous. Et nous exerçons cette bonté, effectivement, à l'endroit de nos semblables. De ceux qui sont aussi nos frères et sœurs en Christ, et même ceux-là même qui ne croient pas. Oui, monsieur, oui, madame. Parce que tu ne peux pas être bon seulement avec les croyants, être mauvais avec les non-croyants. Quand tu es bon, tu es bon. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Quand tu es bon, tu es bon. Amen. Ici, tu es bon. Dehors, tu es bon. Amen. Même les païens vont prendre plaisir à être avec toi. Amen. Parce que ta bonté à toi, c'est magnifique. Amen. C'est pas seulement que je suis bon avec ma mère et mon père et ma soeur. Amen. Non, monsieur. Partout où je passe, Dieu a fait de moi un bon. Amen. J'aime Dieu parce que quand cet homme riche, ce jeune homme riche est approché, mais bon maître, il dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Amen. Il y a de bon que Dieu lui-même. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc quand Dieu descend en toi, alors tu. Parce qu'on peut fabriquer la bonté simplement pour ceux qui sont avec toi. Amen. Et puis avec les autres, tu es méchant. Amen. Ça veut dire que ta nature n'a pas changé. Amen. Tu es toujours homme jamais. Amen. Mais quand tu deviens spirituel, effectivement, la bonté fait partie maintenant de ta nature. Amen. Tu es bon avec elle, tu es bon avec lui, tu es bon avec les garçons, avec les charpentiers, tu es bon avec tout le monde. Amen. Parce que tu as la compassion. Amen. Amen. Vraiment. Revêtez-vous des entrailles de miséricorde. Merci beaucoup. Alléluia. Homme de cellule. Et Dieu. Alléluia. Amen. Comme des élus de Dieu. Vous voulez aller avec vous? Amen. Je pense que tu parles de Sainte Écriture Colossiens 1. Elle a fait cette très juste question. Garde un livre de Colossiens que Dieu te dise pas bien. Merci. Colossiens, mon chapitre 3, je suis heureux, je pense que c'est ça. Que Dieu te bénisse. Colossiens 3, verset 12 et 10. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous effectivement la traîne de miséricorde. C'est bon? La traîne de miséricorde, n'est-ce pas? De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Amen. Et si l'un a su se plaindre de l'autre, mais pardonnez-vous réciproquement. De même que qui a pardonné, pardonnez-vous. Amen. Donc le pardon doit être directement dans mon âme. Amen. Il m'a fait mal, pardon. Quand j'étais offensé, pardonne-moi. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est ça la nature d'un fils de Dieu. Amen. C'est toujours être prompt à demander pardon. Amen. Ah, mais moi, je n'ai pas demandé pardon aussi. Cela prouve la faiblesse. Je vais montrer que je suis fort. Non, en fait, Dieu sur le vaisseau de Satan. Satan t'a béni. Celui qui est fort, celui qui dit, mais pardonne-moi si tu es offensé. Pardonne-moi. J'étais fait mal parce que j'ai dit quelque chose qui n'était pas bon en ton nom. Parce que quand toi, tu es un fils de Dieu, tu dis quelque chose de mal à quelqu'un, tu ne peux pas dormir. Amen. Ça va travailler. Tu es dans ton lit, tu te tournes en fauché à toi. Jusqu'à ce que tu dises, oh, pardonne-moi vraiment. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait. Ah, tu sens qu'il a fait. Pourquoi? Parce que ce qui est entré en toi n'est pas ta nature. Amen. Ce qui est vrai expulse la chose. Il faut que la chose sorte. Amen. Oui, c'est. Donc,
les entrailles de miséricorde. C'est la chose que nous avons en fait. Et puis bon, nous avons directement. Parce que c'est quand quelqu'un est faible que Dieu montre je suis fort. Je ne vais pas baisser, je ne vais pas montrer. C'est l'amour qui est faible en fait. C'est lui qui est fort, il pardonne facilement. C'est lui qui a la sagesse. C'est vrai. Oui. Regardez comment notre maître était. C'était le Tout-Puissant. Et quand il marchait, on dirait qu'il avait un faible. Non, mais il avait la puissance. Alléluia. Alléluia. Ah, j'aime le maître. Il a une façon particulière d'être frère. Et c'est quand c'est sa nature. On a vu, frère. Oui. La religion ne peut pas vous donner ça. Non. Non, mais c'est la parole vivante de Dieu. Amen. Quand tu as Christ avec toi, le vrai frère, ta vie à toi, elle est merveilleuse. Amen. Tu auras les tribulations, tu auras les problèmes. Mais dans toutes ces choses, Amen. Tu es toujours avec toi. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ah oui. Quand on s'accroche à Dieu, Dieu manifeste si c'est ma soeur. Oui. C'est pour ça, quand le pauvre vient, ne murmure pas. Pleure sans dire Seigneur, soutiens. Aide-moi à tenir encore ferme cela. Parce qu'au temps de l'épreuve, Dieu veut montrer qui tu es. Amen. Puisque tu es fils de Dieu, tu sortiras de la victorieuse. Alléluia. Oh mon frère et ma soeur. Alléluia. Pourquoi crier? Alléluia. 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 Sauveré, ton frère et toi. Amen. C'est pas pour rien qu'il inspire les cantiques. Amen. Pourquoi quand nous chantons, nous ne répétons pas. Amen. Nous comprenons ce que nous chantons. Amen. Que j'en parle avec des mots, ça ne sert à rien de vous dire. Amen. C'est ce que le cœur exprime. Amen. C'est cela la grâce que Dieu nous donne. De réaliser combien il est vraiment beau. Bon, nous devons avoir effectivement cette nature et cette caractéristique de Dieu dans chacun, et non en tant qu'enfant de Dieu, effectivement. Celui qui pratique la justice. Alléluia. C'est dans 1 Jean, chapitre 3. Nous avons lu chapitre 5 des Éphésiens. Amen. Nous avons lu verset 9. Nous voulons lire parmi vous. Regardez bien. Éphésiens chapitre 5, verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. 1 Jean chapitre 1, crois, je pense que c'est ça. Et il nous fait savoir cela. Et le livre. 1 Jean chapitre 3, verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. C'est lui qui pratique la justice et comme lui-même est juste. C'est sûr ça. C'est lui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. C'est cette nature. C'est Dieu qui est connu. De pouvoir réellement pratiquer la justice. Vous savez qu'effectivement, que quand il y a, par exemple, vous avez. L'Esprit du Seigneur avec vous, la tour de Christ avec vous. Quand vous vous trouvez devant une situation, ton frère et ta soeur sont dans un problème, effectivement, ce n'est pas que quand tu regardes, tu dis, ah, celui-ci, c'est mon cousin. Et puis, bon, c'était le cousin avec cette soeur-là. Alors, mon cousin, à moi, je voudrais quand même, quand tu as un problème, je dois arriver à pouvoir gérer le problème de manière à ce que je puisse privilégier le cousin. C'est pour ça, c'est pour ça que ça se passe. Que quand, on a, quand vous avez un problème et que le cousin se lève et s'en va, la cousine le suit. Vraiment. La tante le suit. L'oncle le suit. Et finalement, on se pose la question. Mais quand on est de Dieu, on a la justice de Dieu. Amen. Nous, on regarde, non. Même si c'est mon cousin. Mais je regarde la situation, mon cousin il a tort. Amen. Selon les saintes écritures, il a tort. Je ne suis pas mon cousin, je suis la parole de Dieu. Alléluia. Oui, monsieur. Nous avons besoin d'une telle délivrance. Amen. Vraiment. Amen.
Amen. Sort effectivement des coutumes, des usus, des choses là. Oui, parce que... on reste dans la parole de Dieu. Amen. Quand c'est ce que nous prenons, nous faisons ce qui est juste. Amen. Ce qui est juste, c'est ce que nous voyons que Dieu Amen. A dit. Amen. Quand c'est ici à tort, il y a tort. Amen. 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 Même si c'est mon oncle, même si c'est ma mère, quand il a tort, il a tort. Amen. Parce que la parole de Dieu lui demande d'être... En fait, regardez très bien, ça, c'est quelque chose que Dieu place en vous, mm-hmm. qui ne vous rend pas quelqu'un qu'on peut trouver pousser à gauche et à droite. Voilà. Non, et se manifeste quand c'est juste. Tu dis non, c'est juste, ça c'est juste. Amen. Ça c'est pas. Il dit, mais tu es quand même mon cousin. Il dit, ton cousin. Il dit, mais ici, quand même cousin. La Bible dit ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais quand le cousin, tu penses dans le cousin, il y a un problème. Oui. Je penche dans ce que l'Écriture me dit effectivement. Amen. Vous savez, quand on a une telle position, on va aider le Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui est dans l'erreur. Si tu ne lui montres pas qu'il est dans l'erreur, effectivement, il va continuer à être l'erreur. Amen. Mais quand tu lui montres que cela, tu ne vas pas l'enfoncer, mais tu vas tendre la main. Amen. Pour maintenant le ramener, effectivement, afin qu'il puisse comprendre effectivement que là, tu as manqué. Parce que ici, tu as fait quelque chose à l'endroit des. La sœur ici, je donne un exemple, tu as voulu, je ne sais pas, moi, sur ma vie, je donne un exemple. Donc il est normal que tu restitues la valise. Oh non, cette valise-là, vous avez... Non. Ici, on voit bien que là, tu as volé. Si tu as volé, pas quand même, parce que les voleurs ne vont pas rentrer. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous amenez la personne à comprendre la chose pour que le repart effectivement, afin que les deux se trouvent sur la même barre. Ça c'est. Parce que quand nous étions dans le monde, nous étions des injustes. Amen. Vraiment. Oui, on a cédé en fait des pots de vin pour pouvoir pencher dans la paresse effectivement que l'autre est là. C'est vrai, non? Mais un fils de Dieu, on ne peut pas le corrompre. Amen. Amen. D'abord, vous allez me corrompre pour quoi faire? Vraiment. Vous allez me donner quoi pour me corrompre? Mmh. Un million? Non. Même si vous venez avec une caisse de millions, bon, je donne ça. Mais il y a un qui n'était pas le vrai, c'était Barabbas. C'est vrai, Barabbas, il n'était pas vrai. Ouais. D'ailleurs, la Bible le dit aussi. C'était pas vrai. C'est pas possible que. Un fils de Dieu puisse arriver à pouvoir faire ce qu'il a fait. Non, monsieur. Parce que vous venez avec un million. Si je prends les millions, je vends mon droit de naissance. Ces millions-là, il va rester. Oui. Mais c'est de l'autre côté que les problèmes vont devenir. Le problème, c'est que les hommes ne regardent et ne voient qu'à court terme. Quand on parle de court terme, effectivement, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quand. La licence d'ici jusque-là. Vous comprenez? Alors, d'ici jusque-là, c'est un peu à court terme. Et maintenant, à long terme, c'est quand je regarde d'ici jusque France. Vous voyez? Ici, je vois la France. Je ne la vois pas, mais j'ai dit, je prends jusqu'à la France. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le long terme. Alors, un chrétien, lui, ne regarde pas les choses à court terme. Amen. Il regarde à long terme. Amen. Il a les yeux fixés sur celui qui lui a parlé. Amen. Parce qu'il sait que, il sait, lui, il est conscient que tout ce qui est sur terre, ce n'est que passager. Amen. Vraiment. Ce n'est que du court terme. Amen. Mais c'est du long terme. Voilà. Amen. Je ne vais pas vendre mon droit de naissance parce que je sais ce qui m'attend de l'autre côté. Amen. Amen. Puisque je suis court. Pour cela, il faut que je sois d'abord conscient qu'il y a de l'autre côté. Amen. Pourquoi je me bats? C'est pour l'autre côté. Amen. Je ne me bats pour la terre. Non. Pour avoir des millions. Qu'est-ce que je vais faire avec des millions? C'est vrai que je vais parler des factures. Mais pour toute façon, facture, ce n'est pas mon argent, ça va suffire. Amen. C'est la vérité, non? Amen. Oui. Et puis l'argent, il ne m'appartient pas. C'est fabriqué par la Banque nationale. À quoi ça me sert? De pouvoir simplement acheter du pain, tout ça. Ça retourne où? À la banque même. C'est pourquoi ne tuez pas votre frère, votre soeur, votre cousin, ceci, cela. Oh, il me faut. Nous prions que Dieu nous donne ce que nous avons besoin. Amen. Si aujourd'hui, j'ai dit, si Dieu me donne un million, la première des choses, je vais lui bâtir une église. Amen. Amen.
La première des choses, j'ai dit, je vais chercher un endroit, un grand bâtiment, parce que je pleure beaucoup, je vois quand vous vous inventez tout ça, vous n'avez pas l'espace. Je dis, Seigneur, si tu me donnes le million à moi, je vais d'abord donner un grand bâtiment à ces enfants. Amen. J'ai un endroit où ils sont bien aérés, nous sommes quand même bien. Amen. Amen. S'il le veut, c'est sa volonté. Mais pendant ce temps-là, nous nous sentons bien. Amen. Nous prions qu'il nous accorde la grâce de pouvoir. Alors, réalisons effectivement que nous devons avoir effectivement cette justice en nous pour que nous puissions être droits dans la façon de pouvoir faire les choses. C'est une grâce de Dieu, effectivement. Parce que quand on est juste, effectivement, on est non seulement les nôtres, mais aussi les païens. Amen. Parce que les gens qui sont dans le monde, effectivement, ont besoin des hommes qui sont droits. Amen. Pour les aider, effectivement, aussi dans la manière de pouvoir aussi faire les choses et voir. Alors, il dit la vérité. La Bible nous fait comprendre, effectivement, que il dit, mais sanctifiez pas la vérité. Ta parole est la vérité. Chaque fois, constamment, effectivement, quand la parole de Dieu, effectivement, est au-dedans de toi, c'est comme un trône qui descend, effectivement, pour juger tout ce qui n'est pas conforme. Amen. Quand quelque chose vient et qui n'est pas vraiment de Dieu, c'est la parole de Dieu qui te fait savoir que ça, monsieur, ce n'est pas de Dieu en fait. Amen. Que ceci est de Dieu. C'est pas ce que l'homme, parce que l'homme a ses pensées. C'est vrai. Comme je dis toujours, effectivement, ben, vous savez, pour les sœurs, il faut porter de longues jupes qui tombent par terre. C'est la montre, effectivement, qu'on est dans le message. Je dis, mais ça, c'est faux. Amen. On ne peut pas obliger une sœur à porter de longues jupes. Non, monsieur. Non, madame. Si la sainteté rentre dans le cœur de la sœur, vous ne la verrez jamais venir avec ses jambes ici. Amen. Il fait là-bas. Non, monsieur. Non, monsieur. Ça rentre en elle, effectivement. Elle sait qu'elle est une princesse. Amen. Tu n'as pas besoin de dire allongez vos jupes, effectivement. Non. La prostituée, oui. Alléluia. Pas une servante de l'Éternel. Amen. Alléluia. Parce qu'elle est convaincue. Amen. Que non, je ne peux pas m'exposer. Amen. Les gens ne sont pas comme Jean Bonneau sur les marchés pour les chiens. Non, monsieur, elles doivent être gardées et protégées. Amen. C'est normal. Je dois m'habiller normal. Et pourquoi d'ailleurs je dois exposer mes jambes dehors devant tous les chiens qui sont là? Je ne suis pas une chaîne. Amen. Je suis une femme responsable. Oh, vous vous habillez comme ça. Amen. Les hommes comme nous sommes, Amen. Nous vous respectons. Amen. Mais qu'allez-vous faire avec une femme dont les jambonneaux sont dehors? Amen. Et là, c'est là, boutou, boutou, boutou. Il n'y a plus rien à voir parce que tout est dehors. Amen. Tout chien qui passe, il voit ça. Amen. Qu'est-ce que tu vas désirer? Non, mais c'est vrai. Vous, femmes, vous ne comprenez pas. Amen. Oh, tu mets les cachons là qui servent. Amen. Mais c'est bon, effectivement, mais après, qu'est-ce qu'on va dire? Nous, la vérité. Mais ça, vous devez savoir. Amen. Mais quand tu es bien couvert, tu es bien fort. Mais on est heureux. Amen. Et voici donc la femme qu'il faut. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle se respecte d'abord. Amen. Mais celle qui va mettre son ventre dehors, et puis maintenant, maintenant les soeurs, on laisse dehors, tout ça. Amen. Alors mon frère, alors madame. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que je vais encore chercher là-dedans, puisque tout le monde à l'extérieur voit ça. Mais le diable vous trompe, vous, madame. Il vous trompe, vous. Il veut que vous vous exposiez tout de nuit, effectivement, et puis vous perdez votre valeur. Vous pensez que je vais être ceci, on va, je vais être valorisé. Mais tu es toute nuit, on voit tout. Qu'est-ce qu'on va encore chercher? Ça, vous n'avez jamais entendu. Amen. Mais c'est vrai. Quand vous vous respectez, on vous respecte. Amen. Amen. Je suis resté. Amen. En fait, les enfants de Dieu sont tout à fait différents. Amen. Il y a cette nature divine de Dieu dans le cœur de l'âme. Ça travaille, et c'est Dieu qui travaille aussi là-bas, à l'intérieur. Et alors, quand Dieu est là-dedans, la Bible nous dit quoi? Jean 6, 45, ils seront tous enseignés, pas délivrés, enseignés de Dieu. Alors quand Dieu les a enseignés, quand ils entendent la voix, on s'y conforme. On n'est pas là, oui,
dans cette église-là, on oblige les gens, et puis on les met. Je vais l'arrêter dans la limite, mais je vais aller plus loin, si je vais vous montrer. Et dans cette église-là, on oblige les gens. Ici, on n'oblige personne. Amen. Amen. Oh, j'étais chez eux. Ah, ils parlent. Non, 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 non. Ici, nous n'obligeons personne. Amen. Ici, nous donnons simplement aux gens notre Jésus. Amen. Le nôtre de la Bible que nous aimons, nous voulons le partager avec vous. Amen. Quand vous l'avez, il n'y a pas d'obligation. Amen. Vous l'aimez et vous mettez sa parole en place. C'est naturel. Je vais juste m'arrêter parce que le temps est avancé. Je voudrais que vous puissiez comprendre une chose. Vous avez remarqué que vers la fin du verset, vous avez dit que avant de faire passer, racheter les temps. Car le jour sont mauvais. Amen. Oui. Racheter les temps. Car le jour sont mauvais. Mon frère et ma soeur. Nous sommes en train de pouvoir entrer dans une phase tout à fait particulière aussi et problématique. Dans l'histoire du monde, et le monde c'est dans lequel nous vivons, je veux que vous compreniez une chose, frères et sœurs. Vous avez remarqué que l'Écriture dit que c'est pourquoi il est écrit « Réveille-toi ». Toi qui dors, le Christ éclairera. Amen. Ne soyez pas inconsidérés. Alors, quelle est l'écriture pour moi? Je vais dire que ça aller à la limite pour pouvoir vous les verset 14, il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. N'est-ce pas vrai? Amen. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. S'il y a un temps, nous devons vraiment être conscients. Et surtout, chercher à pouvoir connaître la volonté parfaite du Seigneur, c'est bien le temps. Amen. Mon frère et ma soeur, c'est bien le temps. Vous avez d'abord entendu effectivement combien les pensées de notre chair, effectivement, nous disaient, nous vivions. Et c'est cela, effectivement. Satan connaît l'homme. Va vous mettre des préoccupations dans votre pensée. Ceci et cela, il faut ça, il faut ceci, effectivement. Mais vous ne voyez pas, en fait, en réalité, ce qui se passe. Il vous distrait. Il va faire beaucoup de choses, effectivement. Il va beaucoup. Et tout fait, moi, et les uns, mariage ici, travail là-bas, ceci et cela, les femmes à gauche, enfants à droite, tout ceci. Beaucoup de choses qui préoccupent, effectivement. Et qu'on trouve tout à fait naturel, en fait, de cette manière ou d'une autre. Mais en fait, ça préoccupe tellement l'esprit qu'on perd de vue, effectivement, la chose principale qu'on doit considérer. Et il dit ici, effectivement, il dit, mais, il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Quelle est la volonté du Seigneur? Si vous avez, vous vous souvenez encore très bien, on l'a lu Ephésiens au chapitre 10, il dit, afin qu'après avoir accompli la volonté du Seigneur, parce que sur cette terre, vous et moi, nous sommes appelés, non pas à accomplir nos volontés, ni nos désirs, parce que dans Ephésiens au chapitre 2, lorsque nous étions sous la domination du prince de l'air, nous accomplissions les volontés de notre chair. C'est écrit clairement. Que nous avions les volontés de pouvoir faire, effectivement. Je veux, il faut. Et ça travaille, effectivement. Mon frère, ma soeur, Satan est tenté de voir te ramener plus bas, alors que tu veux te ramener plus haut. Amen. Mais tu ne vois pas, en fait. Tu penses que tu es en train de voir monter, alors que tu descends de plus en plus. Tu cherches ta volonté, tu cherches, effectivement. Je vais survivre, effectivement. Mais survivre où? Dans ce monde.
C'est un monde qui va être détruit, effectivement. Faut être conscient. Quand on a dit l'autre sortir, l'autre, effectivement, il dit, mais pensez, mais sort de ceci, effectivement. L'autre devait sortir. La femme de l'autre l'a suivi, non? On a dit, ne retournez même pas les gars en arrière, effectivement. Gardez, alors ça commence à travailler. Oh, la vie que nous avions, oh, la belle cité, effectivement. Mais Dieu te fait sortir. Continue d'aller. Regarde, pourquoi Dieu t'a fait sortir? Préoccupe-toi, effectivement, parce qu'il y a des choses pour lesquelles t'as fait sortir, effectivement. Oh, effectivement, ça a travaillé. Il dit, mais ne regarde pas en arrière. Vous savez ce qui s'est passé? Il a tourné le regard pour regarder. Il n'a plus jamais avancé. Alléluia. Jamais avancé. Entre parenthèses, le Seigneur a dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une modèle de l'intérêt? Personne, n'est-ce pas vrai? Il nous a dit, vous inquiétez de rien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous vous souvenez encore? Il dit, mais toutes ces choses ici, ce sont les païens. Ceux qui sont dans les ténèbres. Il sait qu'il a dit, c'est ça, comment est-ce que je vais manger? Comment je vais m'en sortir, effectivement? Il dit, mais vous, je vous ai dit, considérez les listes des champs. Amen. N'est-ce pas vrai? Je vous ai aussi dit, mais les oiseaux du ciel. Amen. Il est séminé, moi, sort. Vraiment. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Cherchez premièrement. Amen. Premièrement, cherchez quoi? L'argent? Amen. Tu sais quoi? Les mariages? Non. Tu sais quoi? Les femmes? Non. Tu sais quoi? Les mariages et l'argent? Non. Non, monsieur, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Amen. Et sa justice. Amen. 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 C'est ça. Oh oui, monsieur. Oui, madame. Nous sommes dans un temps tellement mauvais. Je voudrais vous montrer quelque chose. Ce n'est pas le temps. Vous vous souvenez, dans les Saintes Écritures, il est parlé de Gog et Magog. Vous vous souvenez? Puis il est parlé, effectivement, d'un pays qui va rassembler. C'est bon? Il va rassembler. Pour aller combattre, effectivement, Jérusalem. Vous connaissez le nom? Et vous connaissez effectivement de qui on se réfère. Il s'agit de la Russie, n'est-ce pas? Si vous regardez ces derniers temps, juste les informations, vous avez appris que l'Iran voulait effectivement enrichir effectivement son uranium pour fabriquer ce qu'on appelle la bombe atomique. Vous vous souvenez? Amen. Les États-Unis, cela se sont dit non, effectivement, donc on doit empêcher qu'il puisse enrichir son uranium, effectivement, ainsi de suite. La Russie, aujourd'hui, et a établi des accords avec l'Iran. Et l'Iran a eu à pouvoir avoir effectivement, d'une certaine manière, la possibilité, la permission, qu'elle puisse arriver à pouvoir enrichir effectivement son uranium, parce qu'il a donné la pensée que ce sera une utilisation civile, et la finalité c'est une bombe nucléaire. Vous avez remarqué la Syrie? Vous suivez? Amen. Regardez comment les nations trouvent. Syrie, pourquoi ce président est resté jusqu'aujourd'hui et qu'il s'accroche? Parce qu'il est derrière. Il a M. Poutine, il a Russie. Quand je parlais de l'Iran, vous avez pensé à ceci. L'Iran s'appelait en fait le Perse. L'empire médo-perse. Vous savez? Dans les Écritures. Il y a donc des coalitions qui se font déjà. La Russie est en train de pouvoir faire une coalition aujourd'hui. Vous vous souvenez? Je crois que cette période ici
Parce qu'il y a un frère qui m'a appelé hier pour me poser la question. Mon frère, qu'est-ce que tu penses en rapport avec, c'est notre frère Philippe, rapport avec ce qui s'est passé aux États-Unis. J'ai dit, mon frère, il avait. J'ai dit, les bons amis se sont mordis les dents. Les bons amis se sont mordus là, j'ai dit. Et j'ai dit, aujourd'hui, je ne sais pas comment ils. Parce qu'ils étaient sous de chez vous. C'est pourquoi j'ai dit, ne soyez jamais des banalistes. Il est fanatique, frère. Restez avec la parole. Et l'absolu. Quand on se loigne de ceci, on ne voit plus très bien. La famille. Alors là, on est sorti. Il est prophète. Hey, mais si, hey, Jésus, on a fait des pronostics de toutes les façons, c'est ce que le prince a contre toute attente. Amen. Non. Contre toute attente. Et on voit le monsieur qui était dans les bars. Dans les sondages, monsieur était dans les bars. Tu vas pour les dans les bars, effectivement. Tout le monde était. Nous avons dit, les prophètes avaient dit, nous allons, vous allez voir, effectivement. Alors ils sont maintenant, vous voyez que nous vous lisons la vérité. Il n'y a pas de problème. Dieu est Dieu de sa parole. Il faut respecter Dieu, frère. Il faut respecter Dieu, mon frère et ma soeur. Et ces gens-là, tous ces frères-là, frères et sœurs, je prie, ils seront surpris quand le Seigneur reviendra. Ils sont en train de détruire des frères, de détruire des sœurs, puisqu'ils n'ont pas d'appel de Dieu. Mais vous voulez qui ça c'est? Amen. Ils n'ont pas la vision de ce que Dieu est en train de pouvoir faire. Vous voulez qui ça c'est? Oui, c'est la vérité, frère. Est-ce que tu ne peux pas te mettre à la place du prophète, tu n'es pas un prophète. Amen. Les soldats donnaient effectivement, évidemment, oui, les ah oui, là c'était oui, et voyez-vous, maintenant, brrr, papa, poum, poum, et puis paf, ça sort. Ah. Non, c'est pas possible. On a dit, non, monsieur est sorti. Monsieur est sorti d'abord même dans son pays, c'était un comédien. Ah, oui, on avait des chapeaux là, tout le monde, j'ai mis les murs sur les films mexicains. Et je donne pas les visas aux arabes. Oh, monsieur dit, oh oui, il dit, papa, il fallait pas le faire, non. Il dit, mais c'est comédien, il ne passera pas. On a des grands politiciens là, mon frère et ma soeur. Il y avait donc un roi qui ne connaissait pas Joseph qui devait se faire. Mon frère et ma soeur, le plan de Dieu est en train d'avancer d'une manière tout à fait particulière. Amen. Amen. C'est vrai. Oui. Les gens ne voyaient pas. Dieu, non, Dieu est bon. Amen. Il a laissé les hommes pas capables. Comme Élie. Hein. Allez, allez-y. Faites pour le citer, effectivement. Nous allons, vous verrez. Et puis à la fin, on voit un comédien qui sort. Et c'est pas possible. Ils sont des surpris. C'est pas possible. Ils ont commencé à pleurer. Mais vous avez voté le comédien. Ah, mais oui, monsieur. Oui. Mais je voudrais vous rappeler une chose. Quand Hitler est monté au pouvoir, on disait, mais ce comédien, il ne va pas faire grand-chose. C'était des dangers. Mais oui, monsieur, mais oui, madame, s'il vous plaît. Alors, vous savez ce qu'il a, je ne vais pas entendre dedans, mais vous savez ce qu'il a. Regardez bien. Le gars est en train de signer maintenant. Regardez comment la Russie, d'abord, c'est d'abord félicité aussi, parce qu'il dit. Nous allons entrer dans le dialogue avec notre cher monsieur, parce que lui, il vient avec une décision. Il n'est pas politicien, vous connaissez. Ah ouais. Il dit ça, vous rendez moi, il dit, mais je vais faire consulter d'un minute. Et je vais faire payer la facture au Mexique. Ça, les présidents politiciens, les policiers sont hypocrites. Et pas au grand, oh non, ils vont parler comme ça diplomatiquement. Mais lui, non, dit, j'ai construit la ville. Les Arabes ne prennent pas les visas, ils rentrent pas en Amérique. Vraiment. Il dit que tous les accords de Kyoto, accords de climatisation, ceci et cela, je vais couper un morceau. Parce que pour moi, tout ce qu'on a fait en France, là, on a fait diplomatie. Si on a signé les accords, si c'est les climatisations, on va réduire les effets des serres, les mois, tout ça. Allez, pas.
Père. Alors en Europe, nous nous sentons dans une peu d'incertitude parce qu'on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il va prendre comme décision. Vous savez que même les partis démocrates, les républicains eux-mêmes, ici, ils ne croyaient pas que c'est quelqu'un qui s'est simplement inséré comme ça. Il n'avait pas jamais participé à l'Europe, c'est sûr cela. Puisqu'il a beaucoup d'argent, il est sorti et puis il dit je me jure aux républicains. Vraiment. Les républicains, ils avaient leur personne déjà préparée. Et puis il dit, celui-là, bon, il est comédien, il va faire du bruit, mais nous ne pouvons passer. Mais non. Vous savez que les journalistes ont dit, mais c'est bizarre, on s'est vraiment trompé. On n'a jamais, vous ne pouvez jamais penser que ce phénomène, vous pouvez faire ce qu'il a fait. Nous, on ne le prenait pas à l'aise. On le prenait à l'aise. D'ailleurs, vous savez ce qui s'est passé. Ils disent, mais en fait, quand on est à la campagne, on fait la campagne des élections, vous devez payer pour passer à la télévision. Ils disent, mais comme on l'avait vu comme étant un comédien, on l'a fait passer gratuitement. Ils disent, c'est pas possible. Au lieu de dire tous les médias, gratuitement, il est passé. Parce qu'on avait, on se disait, mais c'est à rien. Et quelle surprise. C'est vrai. Ouais. Vous savez, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le Russe avait donc fabriqué je crois que c'est une sorte de missile qu'on appelle RS-18. Et l'OTAN qui surveille effectivement la manière dont les choses se passent dans le monde, parce que l'OTAN c'est l'Europe, il avait surnommé ce missile-là Satan. Missile nucléaire qui avait une puissance aussi puissante. Maintenant, aujourd'hui, ils ont fabriqué le deuxième. Qui s'appelle RS-28, qu'on a appelé Satan Number 2. Ce Satan Number 2 là, il a 2000 fois la puissance plus que la bombe atomique qu'on a envoyée sur Hiroshima. Il est 2000 fois plus puissant que la bombe atomique. En fait, c'est une machine nucléaire, tellement nucléaire. 2000 fois plus puissant RS-28 que la bombe atomique qu'on a envoyée sur Hiroshima. Cette bombe-là, si on l'envoie aujourd'hui sur la France est attaquée. Et ça ne vous dit rien du tout. Ça ne vous dit absolument rien. Il n'y a pas longtemps, je vais pouvoir apprendre aussi. La côte San Andrés commence par là, traverse la Californie jusqu'à Los Angeles. La faille s'est encore ouverte beaucoup plus grande. Aujourd'hui, dans les médias, ils sont dans le. Et ça peut se passer. Vous savez que cette faille de San Andrés, effectivement, c'était depuis 1906. Et les séismes ont commencé effectivement, petit à petit, en fait, c'est une accumulation des séismes, petit à petit, effectivement, jusqu'en aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on a pu même voir effectivement d'une manière assez, avec les photos satellites, effectivement, la faille est maintenant plus grande. Et d'un moment à l'autre, toute cette partie-là peut s'affaisser, pouf, et rentrer dans l'eau, monsieur. Et les scientifiques disent aujourd'hui que ça peut se passer d'un moment à l'autre. Alors ils disent, mais si cela se passe effectivement, que cette partie soit dans l'eau, eh bien, les dégâts que ça va causer effectivement sur les États-Unis sont tellement énormes que les impacts sera aussi sur d'autres pays et d'autres cités, effectivement. Alors que la Russie détient sa bombe RS-28 capable de pouvoir raser Texas. Une seule. Mais il n'y en a pas seulement une seule. Aujourd'hui, où nous sommes en train de pouvoir nous asseoir et parler, je
Je veux que vous compreniez, frères et sœurs, que les jours qui sont à venir, vous savez, l'avenir de l'univers, l'avenir du monde, effectivement, est sombre. Vous ne deviez pas vous attendre, effectivement, à un avenir heureux. Pour le monde, effectivement, un état dans lequel les choses sont. Mais vous devez d'abord comprendre, effectivement, quelque chose. Puisque toutes ces choses se mettent vraiment en place, et que vous pouvez voir, effectivement, que ce soit l'Europe, notre pays, ils ne voient pas encore très bien leur avenir parce que les bourses ont commencé à pouvoir être dans la fébrilité, c'est-à-dire que ça devient beaucoup plus fébrile parce qu'ils ne savent pas tellement très bien comment. Ça s'est ressaisi un tout petit peu, mais ça pas tellement. Ça veut dire que le monde est dans l'incertitude, effectivement, de ce qui va prendre place, effectivement, dans notre avenir. Oui, messieurs. Mais c'est là ce que les Saintes Écritures ont eu à pouvoir réellement s'y annoncer. Pour que toi, tu comprennes, mon frère et ma soeur. Et quand toutes ces choses ici se mettent déjà dans cet état. Est-ce que l'Écriture nous dit une chose? Dans 2 Pierre au chapitre 3, que nous allons terminer. 2 Pierre au chapitre 3. Lisons les versets 11. De Pierre 3, 11, il dit, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Mon frère Jonas, tu lis le verset 11, là, plus haut, pour entendre la version que c'est dit. Oui donc, et toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu. Merci. Il dit, jour à cause duquel les cieux enflammés s'y dissoudront, les éléments embrasés s'effondreront, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être éprouvé par lui sans tâche et irréprochable et dans la paix. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pour que nous comprenions que s'il y a un temps, nous devons maintenant marcher comme des enfants. Bien, c'est bien ce temps dans lequel Amen. Nous sommes en train de pouvoir entrer. Amen. Mon frère et ma soeur, je termine. Ce qui se prépare et qui se passe ici, il faut d'abord savoir que le premier pas, avant que le saut final ne puisse arriver à pouvoir se faire, c'est vous. Si aujourd'hui, vous n'avez pas foi en Dieu, vous n'avez pas l'assurance en Dieu, parce que la pression va venir, monsieur, la pression devra venir. Quand on entend ceux qui mettent des bombes à gauche et à droite et parlent au nom de Dieu, l'amalgame va se faire. Parce qu'on entend, je dis, mais il faut être des laïcs, effectivement. Mais parce que tous ceux qui devront se référer à Dieu, ils doivent faire quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui encore? Vous avez appris, effectivement, un rapport avec Luther, n'est-ce pas? Luther, vous connaissez Luther. C'est lui qui est venu et a eu à pouvoir frapper pour que la blessure soit sur la bête. Vous vous souvenez, effectivement, avec les justes frappes à la foi, le catholicisme, n'est-ce pas vrai? Aujourd'hui, je crois que c'est donc, aujourd'hui ou demain que je voudrais. Ils vont fêter, célébrer, vont, oui, célébrer le 500e anniversaire de Luther. Il y avait placardé 995 thèses, effectivement, sur la porte, effectivement, là-bas. C'est vrai? C'est là que ça crée en fait des schismes, des séparations entre l'Église catholique et puis bon, là ça pour lui est protestantisme, effectivement, qui était différent effectivement de l'Église catholique, vous vous souvenez. Mais aujourd'hui, le pape s'unit avec les protestants pour aller célébrer ensemble quoi effectivement? Là, les schismes, effectivement, c'est que
les tirailleurs pouvoir faire. Mais ils disent qu'on ne va plus célébrer, mais on va commémorer, parce qu'en réalité, maintenant, il n'y a plus raison de pouvoir parler du protestantisme, puisque les protestants reviennent à la Algérie. Souvenez-vous de Apocalypse chapitre 13. Alléluia. Vous souvenez effectivement de cette autre bête-là qui se tenait à terre, effectivement. Vous souvenez? Ah ben, ça vous rappelle les États-Unis, non? Vous voyez ce qui monte, effectivement. Vous voyez ce qui certainement s'est passé, effectivement. Nous sommes vraiment, vraiment à la fin. C'est pourquoi l'Écriture dit, rachetez le temps. Car les jours sont vraiment mauvais. Que celui qui dérobait ne dérobe. Amen. Que celui qui dit de frères et sœurs, revenez effectivement dans la voie juste. Amen. Que votre vie, votre façon de voir maintenant, enfin, vous dire, tout doit changer en fait. Amen. Nous devons revenir maintenant, être vraiment des fils et des filles de Dieu. Parce que si aujourd'hui tu ne l'es pas, mon frère, quand la pression va venir, tu vas régner la foi. Amen. Amen. Si tu n'es pas ferme dans tes convictions aujourd'hui, dans la foi aujourd'hui, quand demain ça viendra, tu abandonneras. Parce que tu n'es pas certain. C'est pourquoi nous avons besoin de l'expérience avec Dieu. Que chacun de nous puisse arriver à pouvoir s'examiner et voir en réalité où est-ce qu'il en est aujourd'hui avec Dieu. Si tu continues toujours à être un comédien de l'église, le temps vient. Le temps vient où tu vas lâcher prise. Mais si tu es vrai et sincère, quand la pression viendra, tu deviendras encore davantage sincère. Amen. Plus encore, pourquoi? Parce que tu sais où tu en es. Mon frère et ma soeur, si tu n'as pas expérimenté Christ, aujourd'hui encore, tu as la possibilité. Amen. Si tu ne sais pas tellement très bien où tu en es, aujourd'hui encore, tu as la possibilité. Parce que les jours qui viendront sont des jours mauvais. Aujourd'hui encore, il frappe à la porte. Si quelqu'un entend mon voix et qu'il Amen. Oh, Amen.